Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produits par le FIRCA. Rendre la culture de l'igname plus attractive et plus productive, voici le défi du PIGECI. Plus de 500 agriculteurs ont depuis 2 ans testé les solutions innovantes du PIGECI. Terre et Progrès est allé à leur rencontre, voici leur témoignage. Dans le département de Kouassi-Kouassi-Kro, dans la région du Béké, plus de 7 innovations agricoles permettant d'accroître la productivité ont été adoptées par les producteurs d'igname dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'introduction des innovations de gestion durable de la fertilité du sol dans les systèmes de culture à base d'igname à l'est, au nord-est, au centre et au nord de la Côte d'Ivoire, PIGECI, financé par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole FIRCA est mis en œuvre par le Centre suisse de recherche scientifique depuis 2017. Ces 7 innovations composées des techniques d'assainissement des semences, du tuteurage amélioré, du stockage innovant, des buttes serrées, densité de plantation de 10 000 plants par hectare, de la fertilisation avec 3 options, fertilisation minérale, fertilisation organique avec la fiente de poulet, et de la fertilisation organo-minérale et de la rotation culturale, igname, arachide, niébé, sont désormais appliquées en culture d'igname par les producteurs. Ces innovations adoptées par les producteurs suite à des expérimentations dans des champs écoles leur ont permis d'avoir un aperçu de leur efficacité avant l'adoption. En effet, l'adoption de ces innovations vient ainsi changer les habitudes culturales pratiquées par les producteurs d'igname est transmise de génération en génération depuis plus d'un demi-siècle dans le département de Kouassi-Kouassi-Kro. Voici l'ancien système. Vous voyez comment les buts sont séparés. Vraiment, on a vu qu'avec ce système-là, ça ne peut pas vraiment arranger pendant la récolte. Tu vas voir que pendant la récolte, tu peux te dire que j'ai fait un champ de 0,25 hectares, mais tu t'en sors avec au moins 800 kg, 900 kg, au plus trop une tonne. Vous voyez comment l'igname traîne à terre encore. Donc, avant, dans l'ancien système, voilà comment nous faisons l'igname. Après, quand on fait l'igname, on sème l'igname, on ne met pas les tuteurs pour que l'igname puisse remonter et puis bien évoluer. Donc, vous voyez encore, l'igname ne pousse pas bien parce qu'on n'a pas traité l'igname. On n'a pas laissé l'igname germer d'abord avant qu'on mette à terre. Donc, tout ça là, ça c'est l'ancien système. Voilà ce que nous faisons avant. Donc, avec l'avènement de YAM6, on a vu que la manière, il faut attendre, il faut trier les ignames pour que l'igname pousse d'abord avant de mettre à terre. Vraiment, tu peux avoir un bon rendement pendant la récolte. Donc, voici un peu la différence de l'ancien système et puis la différence entre le nouveau système. Plus de 500 producteurs ont ainsi adopté ces innovations en les appliquant dans leur propre champ d'igname. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre de quelques-uns de ces producteurs champions qui appliquent ces innovations depuis 2 années. Aujourd'hui, avec la nouvelle méthode, on voit que vraiment, on s'en sort bien. Puisque maintenant, dans la nouvelle méthode, regardez l'igname. Quand on a remonté les ignames, on a serré les buttes. Actuellement, toutes les ignames ont poussé parce que on a traité l'igname avant de mettre l'igname. Donc, aujourd'hui, peut-être que l'igname a poussé à 98%. Si je peux bien compter, parce que tu peux voir le champ, même tu ne peux pas voir les buts perdus, parce que l'igname a bien poussé, on a laissé l'igname pousser d'abord avant de mettre à terre. Sur 0,25 hectares, je sais que pendant la récolte, je peux avoir 2 tonnes par 0,25 hectares, si je n'ai rien eu. Donc, quand je fais l'estimation, si j'ai 0,75 hectares, je sais que peut-être que j'ai déjà 6 tonnes pendant la récolte. Après avoir conservé les semences igname sur le dispositif de stockage innovant à la suite des récoltes, un traitement particulier des semences est préconisé avant le planting. Ce traitement spécifique enseigné lors des activités dans les champs écoles est mis en pratique par l'un des producteurs champions d'igname dans le village de Nandécro, M. Kouadio Ndiessan Médard. Voici mon champ. Donc c'est pour cela que j'ai fait cet abattam. Pour que je mette mon igname dessus, pour que mes ignames soient bien propres, pour que ça n'a qu'à donner bonnes semences, pour que je plante.
Donc c'est Champs École qui m'a appris ça. Donc voici ça. Aujourd'hui, je présente ça à mes amis. Ou soit le monde entier, qu'ils n'ont qu'à voir ça pour suivre aussi. Bon, comme je dois travailler dessus demain, donc je vais aller choisir mes plantes pour que je découpe, pour traiter, pour déposer. Là, demain, quand j'arrive, je plante. Je vais vous montrer comment j'ai choisi mes semences. Je prends ce qui est bon. Vous voyez ce qui est bon, non? C'est ça là qui est bon. Maintenant, quand je regarde la pomme aussi, la pomme est bonne. Il n'y a pas bête dessus. Donc, si j'ai choisi pour découper, pour traiter, pour planter, je sais que ça va bien pousser. Donc, je continue de choisir mes semences. Bon, ce qui est choisi, vous voyez, bon, ce n'est pas poussé. Donc, je ne sais pas si c'est bon, si ce n'est pas bon. Donc, quand c'est comme ça, on ne peut pas planter. Vous voyez, ça aussi, là c'est pourri même. On ne peut rien faire ça. Vous voyez comment ça est. Donc, comme ça, là, il ne faut pas essayer de découper même pour dire tu vas planter. Comme j'ai choisi mes semences, maintenant je vais découper pour que je traite. Avant de traiter mes semences, il faut un pot d'eau et puis deux boîtes de cendre. Donc je vais traiter mes semences. Avant de traiter aussi, il faut porter cache-nez. Ok, bon, je dois remuer dans l'eau là pour que cendre ça se mélange bien pour traiter mes semences. Pour 25 litres d'eau, 2 copes de cendre pour mélanger dans l'eau. Bon, 10 minutes après, j'enlève mes semences pour mettre sur zèbre à l'ombre. Je soulève les feuilles pour mettre sur mes semences. Pour que ça se cesse, là, demain matin, quand je viens, je ramasse pour aller planter. Bon, j'ai gardé. Comme il fait jour aujourd'hui, je vais planter les semences. Donc, désormais, nous, les gens de Nandekro, c'est ce qu'on fait pour, dans notre champ, pour avoir beaucoup d'igname. On est vraiment très content. On voit un autre projet encore. Bon, on va suivre ça encore. Monsieur Aswa Kwame Raymond, producteur d'igname dans la localité de Bunda, rencontré dans son champ en pleine préparation du terrain pour le butage serré, est tout heureux. Auparavant, il avait délaissé la culture du ponant, une variété précoce, car, dit-il, la culture du Gonan est très difficile. Il reçoit, ce jour dans son champ, la visite du technicien du projet PGC, M. Boisdi, venu s'enquérir de l'évolution de la mise en pratique des innovations expérimentées. C'est avec beaucoup de passion que ce technicien parcourt les parcelles d'igname des villages pour suivre l'application des innovations et prodiguer quelques conseils de recadrage sur le terrain. Monsieur Raymond, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Je vais bien. Et les activités? Ça va. D'accord. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Bon, nous sommes en train de débrouiller la parcelle pour mettre quelques buts. Ah, d'accord. Mais déjà, ici, là, qui a fait? C'est moi qui l'a fait. Ok, c'est très bon. Okay. Mais est-ce que quand vous avez changé votre façon de faire, avant les buts séparés, et puis maintenant tu fais les buts serrés comme ça? Oui. Est-ce que c'est difficile à faire? Si, c'est difficile à faire, mais c'est bien. C'est très important. Oui, oui. Quand on fait la bite serrée, je vois que j'ai assez de bites. Ouais. Donc, quand j'ai assez de bites, ça va. Ça c'est va. Très bon. C'est très bon. Mais par rapport à la superficie que vous faites avant, quand vous regardez, est-ce qu'il y a une nette amélioration? Oui. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé avant. Par rapport à avant. Une parcelle de 1 hectare ou bien une parcelle de 2 carrés. Vraiment, les buts ne sont pas nombreux. Oui, oui. On ne peut pas avoir assez d'igname. C'est ça. Maintenant, où il y a les buts serrés, même si tu as une petite parcelle, au moins 2 carrés, c'est si comme tu as fait un champ d'1 hectare, on gagne assez. Donc, ça me plaît beaucoup. Regardez là, venez voir. Vous avez utilisé la paille qui est là. Oui. Tout simplement parce qu'au moment où vous vous plantez,
qu'il y a le soleil. Et donc, de peur que la semence ne se gâte dans la butte, vous avez fermé avec ça. Mais dès l'instant où l'igname a déjà germé, vous n'avez plus besoin de ça. Donc, si vous laissez ça sur la butte, vous avez vu les termites. Vous avez vu les termites. Ils vont finir de consommer la paille que vous avez mis. Et puis, ils vont commencer à rentrer dans la butte. Et quand ils sont dans la butte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont gâter les ignames. Ils vont bouffer le tubercule qui se forme là-dedans. Donc, dès l'instant où l'igname pousse dans la butte, ça ne sert plus à rien. Alors, il faut les retirer. Avant, je n'avais pas du Kpona. Maintenant, quand le FIRCA a envoyé le projet, et M. Boadi est venu à Guimau, il nous a montré comment il faut faire le Kpona. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. Je suis allé acheter des boutures d'igname pour venir faire le Kpona. Comment il nous montre à Guimau pour que j'aie aussi le Kpona dans mon champ ici. Et il ne faudrait pas que mes amis aussi vont me dépasser beaucoup. S'ils ont assez de champs, il faut que moi aussi j'ai au moins quelque chose de ce que Boadi nous a montré. Puisque c'est le FIRCA qui a envoyé des gens pour nous former. Et puis je suis assis à l'arrière, les bras croisés, et je ne vais pas avoir aussi. Donc moi, je vais avoir ce que Boadi a appliqué ici, avant. Mais maintenant que Boadi est arrivé, avec les bites serrées, avec ce qu'on gagne et le travail qu'il nous a montré, voilà ça. En 2 semaines, j'ai fini de faire ça. Mais l'autre côté, comme j'ai fait, vraiment, ça, c'est trop joli à voir. Les innovations agricoles du PGC, à savoir la production de semences saines, le tuteurage amélioré, le stockage innovant, les buttes serrées et la rotation culturelle ont sensiblement augmenté le rendement à l'hectare de la culture de l'igname en Côte d'Ivoire. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet firca.ci. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Et rendez-vous la semaine prochaine.